Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Durant tout ce mois de janvier, je vous ai donné des épisodes spécialement conçus pour vous permettre de partir du bon pied. Pour entamer cette nouvelle année le plus sereinement possible et efficacement possible. On a vu premièrement comment tenir ses bonnes résolutions. La semaine dernière, on a vu ensemble quelques exercices qui justement vous permettront de booster vos facultés cognitives et mentales. On va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode, pour conclure un peu ce cycle, 4 aliments qui vous permettront de booster vos facultés cognitives et de garder un cerveau en pleine forme. En fait, comme je dis souvent, le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Si vous voulez garder des facultés cognitives efficaces sur le long terme, vous devez entraîner votre cerveau et votre mémoire le plus possible. C'est comme quand on fait de la musculation. Le régime est super important, c'est super important de faire attention à ce qu'on mange. Et bah, c'est pareil pour le cerveau. C'est pourquoi on va voir 4 aliments naturels qui vous permettront de garder un cerveau, d'optimiser votre cerveau. Vous êtes prêts? Vous avez déjà l'eau à la bouche et vous êtes impatient de découvrir ces 4 aliments. Alors, c'est parti! Donc, sans plus attendre, le premier aliment qui permet de booster ses fonctions cognitives, ce sont tout simplement les myrtilles. Et plus spécifiquement, le jus de myrtille. On a tous le souvenir de quand on était enfant. De manger des tonnes et des tonnes de myrtilles, d'avoir les lèvres bleues. On a tous le souvenir de s'être taché le t-shirt. Et ben, c'est justement ce composant bleuâtre qui a beaucoup de bénéfices pour le cerveau et les facultés cognitives. Plus spécifiquement, ce composant est riche en flavonoïdes et en antioxydants. Et ces composants permettent de lutter contre la démence et la dégénération cognitive. En gros, de garder un cerveau en bonne santé. Il y a quelques années aux États-Unis, le docteur Robert Krikorian s'est rendu compte après une recherche poussée qu'aux États-Unis, aujourd'hui, environ 5,3 millions de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Et selon son étude, ça va pas en s'arrangeant. En 2025, ce taux pourrait augmenter jusqu'à 40%, soit toucher 7 millions de personnes. C'est pourquoi, face aux résultats de cette étude pessimiste, le docteur Robert Krikorian a décidé de lancer une autre étude pour trouver justement une solution qui freinerait Alzheimer et les maladies dégénératives. Pour cette nouvelle étude, il rassembla plus de 48 personnes, dont l'âge moyen était de 68 ans. Il divisa ce groupe en deux parties. Il donna au premier groupe du jus de myrtille pendant 12 semaines, ce qui équivaut à peu près à 200 grammes de myrtille par jour. Et il donna au deuxième groupe un placebo. Suite à cette étude, il s'est rendu compte que les gens qui avaient consommé du jus de myrtille avaient une meilleure pression sanguine, avaient de meilleures réponses aux tests cognitifs et aux tests de mémoire. Surtout, il découvrit que les personnes qui avaient consommé du jus de myrtille avaient une meilleure mémoire à court terme. Donc voilà, la myrtille permet de préserver le cerveau, de lutter contre la démence, les dégénérations cognitives et de booster la mémoire à court terme. Deuxième aliment, ce sont tout simplement les noix. La nature est assez bien faite. Vous avez sûrement remarqué, les noix, c'est un peu la forme du cerveau. C'est peut-être un hasard, mais en tout cas, les noix sont connues pour être un peu l'aliment fétiche du cerveau. Une étude a découvert que les personnes d'âge moyen qui mangeaient des noix de manière quotidienne avaient de meilleures performances cognitives et mentales et étaient moins enclins à avoir des maladies dégénératives, comme Alzheimer, etc. Troisième aliment, le yamabushitake, ou aussi appelé crinière de lion. En fait, le yamabushitake est un champignon. Et pour vous dire la vérité, j'ai longtemps été passionné par les champignons. Depuis tout petit, je me rappelle les balades à forêt avec mon grand-père où on allait chercher justement des champignons. J'ai toujours été fasciné par les champignons parce que pour moi, c'était un peu des extraterrestres. Avec tout un tas de formes, d'odeurs, de couleurs différentes et magiques. Et oui, parce que les champignons sont magiques. Attention, je parle pas des champignons psychédéliques, mais beaucoup de champignons ont des vertus très très puissantes. Et le yamabushitake a de nombreuses vertus, et notamment de nombreuses vertus cognitives et mentales. Comme il est souvent dit en Asie, le champignon
crinière de lion, donne des nerfs d'acier et une mémoire de lion. C'est pourquoi ça nous intéresse particulièrement. C'est parfaitement dans le sujet de cet épisode. Il est connu pour stimuler la croissance des tissus nerveux, de réduire l'anxiété et la dépression. Mais aussi, il permet de lutter contre Alzheimer. Et c'est pas tout, il est aussi connu pour booster les capacités cognitives, notamment la mémoire et les facultés d'apprentissage. Et tout ça, tout simplement parce que le Yamabushi-take, le champignon, la crinière de lion, abonde de certains composés physiquement très importants. Et enfin, quatrième aliment qui permet de booster nos capacités cognitives et mentales est le ginkgo biloba. Vous avez vous aussi sûrement déjà entendu parler de compléments à base de ginkgo biloba, parce qu'il est connu pour booster la mémoire et les facultés cognitives. En fait, ça fait longtemps que personnellement je connais le ginkgo biloba, tout simplement parce que quand j'étais au lycée, il y avait justement un ginkgo biloba en plein milieu de la cour. Et cet arbre était toujours fascinant et intriguant, parce que le ginkgo biloba, tout simplement, ça pue. Surtout quand au printemps, quand les fruits commencent à sortir. Et c'est pourquoi cet arbre était source de nombreuses blagues, mais aussi de légendes. Notamment de légendes par rapport aux bienfaits du fruit de cette plante. Si le ginkgo biloba est aussi fascinant, c'est d'une part parce qu'il est assez exotique pour nous, il vient d'Asie. Et deuxièmement, parce que c'est un peu un arbre fossile. C'est un des derniers descendants d'une espèce d'arbre qui a totalement été éradiqué de la surface de la Terre. C'est un arbre très ancien. Comme il est dit en Asie, c'est un vrai fossile vivant. Mais outre le fait que les fruits ont une odeur assez nauséabonde et que cet arbre est totalement fascinant de par son histoire et son ancienneté, il est aussi connu pour ses vertus cognitives et mentales. Il est lui aussi riche en antioxydants et comporte de nombreuses vertus anti-inflammatoires. Mais c'est pas tout. Il est dit qu'il améliore la circulation sanguine, qu'il permet de réduire la démence et les désordres d'ordre psychiatrique, d'améliorer les fonctions du cerveau et le bien-être, de réduire l'anxiété, de diminuer la dépression, d'améliorer la vision et la santé de nos yeux, et la liste est encore longue. Mais j'aimerais quand même souligner quelque chose. Il y a pas mal de marketing derrière tous ces compléments à base de ginkgo et autres. La réalité, c'est qu'il y a très peu de recherches qui ont été effectuées sur cette plante, et on n'est pas vraiment sûr que vraiment les résultats que tout le marketing nous propose autour de cet arbre est vraiment vrai ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pour résumer un peu cet épisode, on a vu que les myrtilles, les noix, le champignon crinière de lion ou Yamabushi-take et enfin le ginkgo biloba permettaient de lutter contre la dégénération cognitive et mentale et de booster nos facultés là aussi cognitives et mentales. Mais je tiens à préciser qu'il faut quand même faire attention. Bien qu'il y a pas mal de recherches en cours et d'études sur ces aliments, le marketing prend un peu le dessus et on essaie à tout prix de nous vendre des compléments alimentaires pour tous les maux qu'on a. C'est pourquoi faites attention, renseignez-vous bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ces quatre aliments ne vous feront pas de mal et vous permettront simplement de peut-être un peu vous donner un coup de boost pour commencer cette année sur le bon pied. Ou plutôt avec un cerveau en bonne santé et performant. Prendre soin de son cerveau, c'est bien, mais avoir un cerveau en bonne santé mais ne pas savoir comment l'utiliser, ça sert pas à grand-chose. C'est pourquoi je vous rappelle que j'ai enregistré un webinaire qui dure à peu près 47 minutes où je vous enseigne un peu le mode d'emploi de votre mémoire. Où je vous dévoile pourquoi la plupart des gens pensent avoir une mauvaise mémoire, quelques techniques qui vous permettront de mémoriser facilement et rapidement la plupart des informations que vous rencontrez au quotidien, et surtout où je vous dévoile une technique secrète qui vous permettra de mémoriser 50 plus informations d'un coup et dans l'ordre. Pour vous y inscrire, comme d'habitude, c'est très très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode, ou tout simplement en allant sur mon site www.superapprenanttoutattaché.com. Voilà, moi je vous attends de l'autre côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu dans cet épisode que la nature nous a donné tout ce qu'il nous fallait pour booster nos capacités et être en bonne santé. Alors pourquoi pas s'appuyer un peu dessus ? Excellente journée à vous, bon appétit et à la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnées dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.